Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Donc, la Bibliothèque publique d'information a le plaisir d'organiser une série de conférences avec l'INSB, l'Institut national des sciences du vivant du CNRS. Et nous sommes très heureux de vous présenter cette première séance qui s'intitule donc « Les sciences du vivant, bouleversement et promesses du XXIe siècle » et lors de la semaine de la fête de la science qui est cette semaine. Donc c'est vrai que nous avons souhaité nous associer à l'INSB en découvrant la sortie de cet ouvrage « Étonnant vivant » qui fait le tour un peu de grandes découvertes qui ont eu lieu, je dirais, ces 20 dernières années, si, et peut-être un peu avant. Et donc, ce cycle comporte trois dates. La première date ce soir, nous aurons une seconde date le 6 novembre, qui sera autour de la définition de qu'est-ce que le vivant aujourd'hui, puisque cette discipline arrive même à remettre en cause les limites du vivant aujourd'hui. Et une dernière séance le 4 décembre, qui sera une conférence performée avec un neurobiologiste qui est également musicien, sur les rapports entre musique et cerveau. Donc je laisse Ariane Poulanzas, notre modératrice, qui est journaliste scientifique, nous présenter les intervenants de ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci d'être là. Vous êtes nombreux, mais en réalité, vous êtes beaucoup moins nombreux que ce que vous croyez. Et on va vous expliquer ça. Il y a énormément d'organismes dans chacun d'entre vous. Alors, je pense que vous ressortirez multiples de manière très étonnante. Alors, les connaissances du vivant, tant en ce qui concerne son apparition sur Terre qu'en ce qui concerne son évolution ou sa diversité, ou encore les rapports de collaboration qui s'y tissent, tout ça, toutes ces connaissances ont fait un énorme bond ces dernières années. Donc, je vais d'abord passer la parole à Catherine Jessuy, qui est directrice de l'INSB, l'Institut des sciences biologiques, comme le disait Valérie Guissou. Et je vais vous demander d'évoquer ces révolutions et de nous dire à quoi elles sont dues et ce qu'on peut en attendre dans les années qui suivent. Merci. Enfin, commencer à répondre, oui. Évoquer évidemment ces réponses qui sont bien vastes. Oui, je vais me mettre debout parce que je n'ai pas l'habitude. Allez-y. Merci. Je tiens d'abord beaucoup à remercier vivement le centre Georges Pompidou de cette invitation, parce que c'est justement ce qu'on attendait en écrivant cet ouvrage, c'est de pouvoir s'en servir pour communiquer directement avec nos chercheurs citoyens. Donc effectivement, ce qu'on constate, nous, chercheurs en sciences de la vie, depuis, comme l'a dit, depuis une bonne vingtaine d'années, c'est qu'on traverse véritablement dans les laboratoires de recherche une période absolument excitante, une période, je pense, qu'on peut qualifier véritablement d'historique. Il y a eu depuis Aristote des grands tournants dans les sciences de la vie, et on est en train, là, à ce début du 21e siècle, d'en vivre un, à la fois, enfin surtout, donc essentiellement, parce que on a des découvertes dans différents champs de la science de la vie, des sciences de la vie, qui changent complètement nos concepts et notre conception de, à la fois, qu'est-ce que le vivant, de son histoire, de son fonctionnement. Donc vraiment un grand tournant qui est probablement dû à l'avancée, d'une part, à l'avancée fantastique des technologies qui nous permettent à nous, dans les laboratoires, d'expérimenter, d'observer, d'investiguer. J'en ai juste, je pense, montré quelques-unes. Là, en fait, ce que vous voyez dans ces espèces de petites flasques qui contiennent du liquide devant la mer, c'est pour illustrer les progrès fantastiques en génomique et en métagénomique. C'est-à-dire que maintenant, au moment où je vous parle, c'est un bouleversement. On est capable, effectivement, de prendre une petite goutte de liquide, beaucoup moins importante d'ailleurs que ce qui figure dans ces flasques, de n'importe où, d'une mare, de l'océan, d'un puits de pétrole ou du contenu de votre intestin, et avec
avec des techniques révolutionnaires de génomique et de métagénomique, c'est d'avoir une idée de ce que ce petit échantillon liquidien contient en matière d'organismes vivants. Donc sans les voir, juste par la connaissance de leur génome et des travaux d'informatique colossaux, on est capable de savoir, d'avoir une idée de toute la faune et la flore, tout l'écosystème microbien qui peuple ces petites gouttes de liquide. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, d'ailleurs, qui bouleverse beaucoup les approches en biologie, parce que les biologistes, depuis 2000 ans, regardent les choses, et là, sans les voir, rien qu'avec l'analyse des génomes et de métagénomes, c'est-à-dire l'ensemble des génomes de cette communauté qui peuple ce liquide, on est capable d'avoir une représentation et une idée des formes du vivant qui la peuplent. Et puis, autre grande révolution technologique, c'est en matière d'imagerie, que ça soit aller regarder des choses toutes petites, je ne vais pas dire infiniment petites, parce que pour un physicien, ce n'est pas à la même échelle que pour le biologiste, mais on est capable, effectivement, maintenant, d'aller voir à l'intérieur des cellules des molécules en train de bouger, mais on est capable aussi, en termes d'imagerie, d'aller voir des beaucoup plus grosses choses, également vivantes, comme par exemple ici, un cerveau humain en fonctionnement. Et ce qui a beaucoup changé, ce n'est pas seulement les échelles auxquelles on regarde les choses, mais c'est le fait de pouvoir observer du vivant en fonctionnement. Longtemps, le biologiste, jusqu'à il y a peu de temps, pour observer les choses, était obligé de les tuer pour les mettre sous le microscope. Maintenant, on est capable de voir les formes de vie en mouvement avec les molécules qui s'activent ou des réseaux neuronaux dans le cerveau qui se connectent lorsqu'on fait une opération mentale. Donc ça, c'est vraiment des technologies qui ont fait des bons énormes, accompagnées également des technologies qui nous permettent de manipuler le vivant, que ça soit de manière mécanique ou au niveau de changement du génome. Donc ces révolutions technologiques sont probablement, à l'origine, pour une grande partie, des grandes découvertes qui bouleversent notre vie de chercheur, et également ce qui, depuis une vingtaine d'années, s'est beaucoup mieux fait, c'est les collaborations entre biologistes et chercheurs d'autres disciplines qui, vous le verrez à travers les exemples qui vont vous être montrés, révèlent que l'étude du vivant, c'est pas seulement une affaire de biologistes, c'est également une affaire de physiciens, de chimistes, de chercheurs en sciences humaines, etc. Le constat qu'on a eu tous, cette communauté de chercheurs en sciences de la vie qui est animée entre autres par le CNRS, mais aussi par l'INSERM, l'INRA, d'autres organismes de recherche, c'est le constat qu'on a fait, qui est que ces grandes découvertes ne sont pas forcément si bien médiatisées. On fait le constat qu'effectivement, ce qui intéresse beaucoup, et c'est totalement légitime, c'est les applications de la science, en biologie par exemple, les applications en santé ou en environnement, mais que par contre, ce qui se fait comme découverte dans les fondamentaux du vivant est relativement peu mis en lumière. Or, comme je vous le dis, et comme on va vous le montrer, j'espère, au cours de ces trois conférences, on est vraiment dans des changements totaux de paradigme, et il nous a semblé véritablement important et légitime de commencer à sortir des laboratoires et de montrer ce qu'on y faisait. C'est un devoir de diffusion des connaissances que nous avons. Les chercheurs sont sûrement trop restés à l'intérieur de leur labo. Donc c'est un besoin qu'on a pour parce qu'on est absolument convaincu qu'une société éclairée a besoin de comprendre la science qui s'y fait. Et puis aussi, on a besoin de feedback. C'est des allers et retours. Donc on s'est lancé dans un travail collectif. Bon, ça, on a l'habitude de travailler ensemble parce que la science est éminemment collective. C'était pas une idée super originale. On a décidé d'écrire un livre sur ce qui se passe en ce moment, les grandes découvertes
qui sont à l'œuvre, mais aussi tout ce qu'elles annoncent, toutes les promesses qu'elles portent, tous les champs à explorer qui sont devant nous, parce qu'on est quasiment au seuil de quelque chose actuellement. Et notre idée, vraiment, c'est d'intéresser, c'est d'informer, mais c'est aussi de partager notre passion. On a été très jaloux un peu des physiciens qui émerveillent les gens avec les ondes gravitationnelles, les trous noirs, le boson de Higgs, toutes choses extrêmement difficiles d'accès. Et nous aussi, on a notre matière noire du vivant, matière noire du génome, etc. Et on s'est dit, mais nous aussi, on a cette capacité à émerveiller les gens. C'est pas l'exploration de l'univers, hein, mais c'est l'exploration de la planète par le vivant. Donc on s'est lancé dans cet ouvrage, nous chercheurs, hein, avec une communication directe, chercheurs, voilà, citoyens. Donc je vais passer vite, c'est un ouvrage collectif. Il a mobilisé à la plume plus d'une centaine de chercheurs autour de 5 chapitres, et il a mobilisé en fait des dizaines et des dizaines de laboratoires, parce qu'on a fait des appels à contributions, donc les chercheurs se sont mobilisés, nous ont envoyé des textes, n'oubliez pas de parler de ça, et puis il y a ce truc-là qui est fantastique et qui annonce ceci, cela. Donc c'est vraiment un ouvrage collectif, et maintenant je suis vraiment très heureuse d'être ici, parce qu'on ne veut pas que ça soit un livre, le énième livre qui soit sur une étagère, mais pour nous chercheurs, c'est vraiment un instrument pour communiquer nos découvertes et donner envie. Donc on a un chapitre, voilà, il a fallu s'organiser quand même, pas tout mettre ça en vrac, surtout qu'il y a de la matière. On a un chapitre 1 qui est organisé sur qu'est-ce que le vivant, dont, qui est l'objet effectivement de la prochaine conférence, mais dont on dira quelques mots ici. Son histoire, dans le chapitre 2, des origines à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, comment on crée de la nouveauté, on en parlera aussi un peu ici. La complexité du vivant, vous en entendrez parler dans toutes les conférences, mais ce soir, Daniel Choquet, qui est un neurobiologiste, se servira du cerveau comme exemple de complexité. Le chapitre 4, c'est l'être vivant dans son environnement, donc Thierry vous en parlera aussi. Et on a un chapitre 5 sur tout ce que les découvertes qu'on fait, qui sont des découvertes très fondamentales, comment elles peuvent servir d'inspiration pour d'autres disciplines scientifiques et le champ des applications, mais toujours axé sur les promesses, sur ce qu'on peut rêver qu'il va se faire dans ce 21e siècle. Donc, juste quelques exemples avant de céder la parole. Je ne veux pas trop empiéter. Voilà, j'ai commencé simplement par une diapo que j'ai intitulée « L'histoire du vivant re-racontée ». Il y a encore 25 ans, 20 ans, on pensait, on concevait que le monde vivant était formé de deux catégories de cellules, des bactéries. Voilà, c'est des cellules unicellulaires qui n'ont pas de noyau à l'intérieur, leur génome n'est pas empaqueté dans un noyau, et puis tout ce qui n'était pas des bactéries et qu'on appelle des eucaryotes, c'est des cellules qui ne sont pas faites comme celles des bactéries, qui ont un noyau et qui peuvent être unicellulaires ou multicellulaires. Nous sommes, nous, des eucaryotes, toutes nos cellules sont de ce type-là. On a découvert au tournant de ce siècle qu'en fait, il y avait 3 règnes dans le vivant et pas 2. Donc ça faisait des centaines d'années qu'on vivait là-dessus. Et on a découvert un 3e règne qui est un règne formé d'unicellulaires aussi, comme les bactéries, qu'on appelle les archées et qui ne sont ni des bactéries parce qu'elles ont un génome extrêmement complexe, elles ont une paroi une membrane cellulaire très, très bizarre, mais ce ne sont pas non plus des eucaryotes parce qu'elles n'ont pas de noyau, entre autres. Et donc on a un 3e règne, ce qui a fait qu'on a totalement redessiné l'organisation du vivant avec l'arrivée de ce 3e règne. Là, c'est un arbre de la vie tel qu'il est à peu près dessiné maintenant. Vous voyez ici le démarrage. Donc ici, cette petite boule que vous voyez peut-être pas vraiment bien à la base, qui s'appelle Lucas,
c'est notre ancêtre commun. La cellule, qui actuellement est datée à 3-7 milliards d'années, qui est l'ancêtre de tous les êtres vivants peuplant la Terre. Et à partir de cette cellule-là, notre ancêtre commun, a dérivé toutes ces branches-là qui sont les bactéries, celles-là, des unicellulaires, toutes ces branches marron à droite qui sont les archées, des unicellulaires aussi. Donc vous voyez l'immensité du monde microbien immédiatement. Et au milieu, là, plutôt assez petit, hein, les eucaryotes, c'est-à-dire les cellules avec un noyau dont nous sommes formés. Donc ça, c'est une représentation complètement distincte de ce qu'on pouvait imaginer avant, où il n'y avait que deux règnes, et où on pensait que les eucaryotes, c'était voilà, avec nous au sommet. Nous, ici, on n'est même pas, hommes, on n'est même pas, on est trop petits comme population pour figurer sur cet arbre-là. Alors, là, à partir de ça, on peut se poser plein de questions, et il y a plein de choses qui se c'est la première question, c'est la question des origines, à quoi ressemble cette première cellule qui a pu être précédée d'ailleurs par des émergences de vie qui se sont éteintes. La deuxième question, on le voit tout de suite, c'est l'immensité du monde microbien unicellulaire. Qui est massif sur notre planète, finalement, majoritaire. Et la troisième question, c'est, vous voyez que ça, c'est l'évolution, hein, c'est au cours du temps, là, c'est maintenant, là, c'est il y a 3,7 milliards d'années, et on a des espèces de créations tout le temps, et comment se fait l'innovation génétique, comment les nouveaux caractères émergent-ils, comment crée-t-on, finalement, de nouvelles formes de vie. Donc, les deux questions, immensité du monde microbien et création de nouveautés, de nouveaux caractères. Je vais juste les illustrer par un exemple. On a longtemps vécu, depuis le 19e siècle, en fait, sur l'idée, la fin du 19e siècle, sur l'idée que pour avoir un nouveau caractère, on mutait, hein, les gènes mutaient. Et donc la mutation, vous avez un gène qui code pour un caractère. Si le gène est muté et qu'il n'est pas toxique, hein, qu'il n'entraîne pas la mort de l'individu, il peut produire un nouveau caractère. Donc on était beaucoup sur un mécanisme. L'innovation génétique, c'est la mutation. Et là, on traverse une période où on s'aperçoit que l'innovation génétique, certes, c'est la mutation. Ça se fait sur des temps très longs. Mais il y a une forme d'innovation génétique qui est brutale et spectaculaire. C'est le transfert de gènes. Je vous donne juste un exemple de comment un transfert de gènes peut créer vraiment des nouveaux caractères. C'est l'exemple du placenta chez les mammifères. Les mammifères, c'est les seuls animaux qui ne pondent pas des œufs, puisque les femelles ont un système, le placenta, qui leur permet d'héberger le fœtus, l'embryon et surtout le fœtus. En fait, il y a ce qu'on sait maintenant, c'est qu'un lointain ancêtre des mammifères, qui pondait des œufs, a été infecté par un virus, un rétrovirus, ce qui est très fréquent. On le sait parce qu'on sait que dans nos génomes, il y a à peu près 10% de nos génomes qui sont occupés finalement par des gènes viraux. Alors qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer, et c'est ce qui s'est passé dans ce cas, que les gènes du rétrovirus se sont finalement installés dans le génome de cet ancêtre lointain, donc ils se sont incorporés, donc ces gènes viraux se sont mélangés, se sont rentrés au milieu des gènes de l'hôte, et si cette incorporation se fait en plus dans les cellules reproductrices de l'hôte, de l'individu infecté, eh bien ça peut être transmis bien sûr à la descendance. Et dans le cas du placenta, clairement, ce qui s'est passé, c'est que les gènes s'occupaient de fabriquer une enveloppe au virus, ont été donc incorporés par le génome de l'individu,
et ont été réutilisés par cet individu infecté pour former des protéines qui s'appellent les syncytines et qui ont permis l'élaboration d'un placenta. Elles ont des propriétés particulières qui font qu'elles diminuent l'immunité, qu'elles permettent des fusions cellulaires, qui fait que grâce à cet héritage de gènes viral, un placenta est arrivé chez ses lointains ancêtres, et donc que finalement c'est grâce à un virus que nous ne pondons plus d'œufs. Voilà. Donc, et ça, c'est un phénomène, les transferts, ce qu'on appelle transfert horizontal, c'est-à-dire une espèce, ici, le virus, transfère son génome ou une partie de son génome à l'individu qui l'a infecté ou dans lequel il s'est installé. C'est quelque chose de très fréquent qui a été une énorme, et qui est toujours une énorme source d'innovation génétique et qui a changé un peu notre vision, à nous, biologistes, de la manière dont peuvent émerger les nouveaux caractères et donc des nouvelles espèces. L'autre exemple dont je voulais vous parler, c'est sur l'immensité du monde microbien, qui est vraiment quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, c'est-à-dire la biodiversité monstrueuse des êtres microbiens, qu'ils vivent dans l'océan. Ça, c'est une photo qui est tirée stylisée, bien sûr, et qui représente un échantillon de l'expédition océanographique Tara, dont vous avez déjà entendu parler, qui a mis à jour un nombre d'espèces de virus, de bactéries, d'archées dans les océans absolument incroyables et qui sont absolument cruciaux pour l'équilibre en termes de carbone de la planète. Et puis, comme on vous l'a dit au début, cette immensité, elle est présente partout, y compris, par exemple, dans notre intestin. On a entre 1 et 2 kilos d'un monde bactérien dans l'intestin, un mélange de bactéries, d'archées, de virus, d'unicellulaires eucaryotes, qui sont d'une diversité époustouflante, dont on ne connaît vraiment que le sommet de l'iceberg, alors qu'ils sont chez nous et qui sont essentiels à notre organisme. L'immensité du monde microbien, on a été stupéfait de découvrir également que pratiquement tous les milieux de la planète sont occupés par des êtres vivants. Ici, vous voyez le volcan de Dalol en Éthiopie. C'est de l'eau bouillante, sursalée, hyper acide. Si le bonhomme qui est ici, que vous voyez, glisse dedans en 30 minutes, il est perdu. Eh bien, si on prend une goutte de ça et qu'on fait de la métagénomique, comme je vous l'ai expliqué au début, on découvre qu'en fait, il y a des archées, notamment, et des bactéries qui vivent dans cette eau. Pareil, dans des endroits, des très grandes profondeurs. Voilà. Et donc ça change effectivement notre vision de la vie, parce que ces milieux-là, on les baptisait impropres à la vie. Bah, on avait standardisé, la vie requiert ceci, telle température, pas trop de sel, il faut de l'oxygène, etc., des pressions, de la lumière, etc. Tout ça est bouleversé parce qu'on a visiblement des formes de vie qui se développent. C'est leur milieu de vie naturel, donc ce n'est pas du tout extrême pour elles. Et ça veut dire qu'on avait enfermé la vie dans un carcan, dans une doctrine, dans un dogme qui est en train d'exploser. Juste pour vous dire que même pire, on peut dire, on a découvert depuis une dizaine d'années maintenant des choses que vous voyez en photo ici, qu'on appelle des virus géants, qui ne sont ni des bactéries, ni des virus. Géants parce que c'est très grand par la taille, c'est plus grand pratiquement dans certains cas qu'une bactérie. Ça a des génomes énormes, hyper compliqués, dont plus de 70% des gènes sont totalement
inconnue et ça peuple des cellules eucaryotes sans être d'ailleurs véritablement des pathogènes. Ça, on ne sait même pas si c'est vivant et pour les biologistes, c'est un objet qui arrive qu'on ne soupçonnait pas et on ne sait plus si c'est vivant, pas vivant. C'est un parasite obligatoire, c'est pas vraiment un virus, mais qui sait. Donc il y a plein d'hypothèses et tout le travail commence sur ces nouvelles formes de vie. Enfin, dernière diapo. Ça, c'est abordé aussi parce que c'est vraiment un grand chantier en sciences de la vie. C'est le bouleversement qu'il y a dans les frontières et dans ce qui est soi et non-soi. On vivait vraiment sur la conception. Un organisme, voilà, comme nous, hein, c'est, on le sait, c'est des cellules qui vous appartiennent. Donc, je vous l'ai déjà dit, on a autant de cellules de notre corps à nous, avec notre génome, que de cellules qui ne nous appartiennent pas. C'est tout ce qui peuple, par exemple, notre intestin. Il y en a le même nombre que nos cellules à nous. Et on vit ensemble. Et même, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, hein, puisque ce microbiote intestinal, ça sert à plein de fonctions, pas seulement à bien digérer, hein, ça communique avec le cerveau, ça a des fonctions quasi immunitaires à l'intérieur de l'intestin. Donc c'est quelque chose de très important, et on est là avec toute une faune ou flore, ou appelez ça comme vous voulez, que nous avons avec nous, et sans laquelle nous ne pourrions pas vivre, donc une sorte d'organe vital, mais qui n'est pas à nous. Donc, où est le soi et le non-soi ? Sans ces bêtes-là, ces bestioles-là, on n'existe pas. Et ensuite, la question du soi et du non-soi, par exemple, ça, c'est l'exemple de la multiplication de cellules cancéreuses. Quand vous avez une cellule à vous, de votre soi, du soi, qui devient cancéreuse, elle échappe aux règles de la société, de vos cellules à vous, elle prolifère jusqu'à donc échapper complètement à ce qui est le soi et à devenir même du non-soi, c'est-à-dire à être reconnue par le système, votre propre système immunitaire, qui, s'y réagit bien, peut les éradiquer. Donc là, c'est vraiment un système où du soi a échappé et à force de mutation se comporte comme du non-soi. Et dans les thérapies actuellement anticancéreuses, d'ailleurs, il y a beaucoup d'utilisation dans les nouvelles thérapies de ces capacités à produire des anticorps pour éradiquer ces cellules cancéreuses. Et bien sûr, là, c'est le contraire. C'est quand on a, et ça c'est vrai chez les mammifères, du non-soi, un bébé, qui est caché à l'intérieur et qu'on veut protéger, pour le coup, c'est pas du tout comme les cellules cancéreuses, il faut le maintenir à l'intérieur de l'organisme, alors qu'il ne nous appartient pas, il n'a pas le même génome, il a un génome paternel et maternel. Et donc il y a tout ça pour conclure, qu'on est assez dans des bouleversements dans les limites, dans les fonctions du système immunitaire et dans la conception que finalement, pratiquement tout être vivant soit est contenu dans un plus grand, soit en contient un plus petit et que ces assemblées-là sont des équilibres très important pour la vie, donc une espèce de message important qu'il n'y a pas de vie sur la planète si on n'est pas, si on ne s'accepte pas les uns les autres et si on n'est pas en équilibre pour survivre. Voilà. Équilibre entre les différentes disciplines également. Oui. Alors Thierry Gaud, vous êtes chercheur en biologie végétale au CNRS et il me semble que vous aviez envie de parler un petit peu de l'arbre du vivant ou de ce nouvel arbre du vivant auquel on est arrivé avec nos nouvelles technologies et nos nouvelles observations. Oui, alors je prends le pointeur. C'est, ouais, ok. Alors pour... je vais faire la suite de la présentation de Catherine Jessu. Je vais prendre trois flashs qui sont dans le livre. Un flash sur l'histoire du vivant, un flash sur
la complexité du vivant, et Daniel Choquet va développer cet aspect-là sur les aspects du cerveau. Et puis le troisième flash, où je vais m'étendre un petit peu plus, ça sera l'être vivant dans son environnement et l'impact de l'être vivant sur son environnement. Alors, lorsqu'on parle d'histoire du vivant, il me semble important de nous resituer par rapport à l'âge géologique. Et il y a quelques chiffres à connaître. La formation de la Terre, parce qu'on n'est pas habitué à des chiffres aussi élevés, que ce soit en euros ou en âge géologique, c'est des chiffres qui nous échappent un petit peu. 4,5 milliards d'années, formation de la Terre. Alors, donc l'âge de la Terre, 4,5 milliards d'années, l'âge des premières traces de vie sur Terre, 3,7 milliards d'années. Après, comme vous l'a dit Catherine, les eucaryotes, à peu près 2,5 milliards d'années. Puis après, tout se complexifie, on va de plus en plus gros, plus en plus rapide. Et puis, les premiers ossements de quelque chose qui ressemble à un homme, à un hominidé, c'est le squelette de Toumaï au Tchad, qui a été daté à 7 millions d'années. Alors, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Catherine, l'arbre du vivant a été complètement bouleversé par les nouvelles technologies de séquençage du génome. En quoi ça consiste? Ça consiste à mettre un code barre sur toutes les espèces qu'on veut étudier et qu'on veut comparer. Donc, on va comparer entre elles ces codes barres. Ça va nous permettre de classer, de regarder la parenté qui existe entre ces différentes espèces. Et ça a permis justement de caractériser trois grands groupes d'organismes, les bactéries, les archées, les eucaryotes. Et puis il y a une phase qui est importante là, hein. Il y a deux branches qui se regroupent, les bactéries et les archées, pour former un eucaryote. En fait, c'est une bactérie qui est venue parasiter, endocyter en quelque sorte une archée, et ça fait la première cellule eucaryote. Alors, nous, là, c'est la branche de la lignée verte. Là, les champignons en marron et les animaux en violet. Et nous, on est tout petits, là, hein, Homo sapiens. Nous, là, dans la salle, on est à peu près arrivé sur Terre, 315 000. Les dernières datations, c'est 315 000 années. Alors, un point qui est intéressant, issu de ces données de génomique, c'est que des ossements découverts dans les grottes ont permis de constater qu'on a tous quelque chose en nous, non pas de Tennessee, mais de Néandertal. On a entre 1 à 4% de notre génome qui est issu de notre ancêtre néandertalien. Alors, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on a un peu de gènes de nos parents, de nos grands-parents, mais ça va, la parenté va s'étendre jusqu'à l'homme de Néandertal. Ça veut également dire qu'il y a eu des métissages, c'est-à-dire que l'Homo sapiens a eu des rapports sexuels avec Néandertal et vice versa. Plus récemment, il a été également démontré. Alors, Néandertal, il est apparu sur Terre à peu près il y a 500 000 ans. Il y a un autre homme qui a été découvert, c'est l'homme de Denisova, en Asie, en Sibérie. Et cet homme-là a à peu près la même chronologie que Néandertal, autour de 400 000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que les populations asiatiques, au Tibet par exemple, les Tibétains ont cette capacité d'adaptation à l'altitude qui est conférée par un gène qui vient de cet homme de Denisova. De la même manière, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Papous ont un odorat extrêmement subtil. Ils sont capables de percevoir des odeurs très subtiles, et cela grâce à un gène qui provient de l'homme de Denisova. Alors, la complexité du vivant, je vais être très, très bref sur ce plan-là. La vie est un système complexe en interaction perpétuelle, extrêmement dynamique. Au sein d'une cellule, les molécules interagissent entre elles. Lorsqu'il y a plusieurs cellules, les cellules vont interagir entre elles, former des tissus, former un organisme, mettre en place des organes. Et en plus, à côté de ces événements donc d'interaction, il y a des processus fondamentaux liés à la vie qui sont la croissance, la multiplication, la reproduction, la réponse à une attaque, à un pathogène, ou la réponse à des conditions extrêmes, comme l'a souligné Catherine Jessus. Et puis, plus récemment, on a découvert un comportement assez particulier de certains groupes d'animaux, comme ici des étourneaux, ici un banc de poissons, qui ont un comportement collectif qui ne traduit absolument pas le comportement qu'aurait l'individu isolé. Et ce comportement, donc il y a des interactions qui se produisent entre les individus
de ces groupements. Et ce qui est intéressant, que cette forme de communication permet à ces oiseaux ou à ces poissons de lutter contre prédateurs. Si vous voyez, s'il y a un épervier qui est intéressé pour croquer un petit étourneau, c'est sûr que lorsqu'il va avoir cette masse gigantesque, il ne va pas avoir envie de se frotter à un tel objet volant. De la même manière pour les bandes passons. Et c'est également une stratégie, ce regroupement, c'est une stratégie pour trouver des ressources nutritionnelles. Donc la question qui se pose, cette auto-organisation, est-ce que ça provient d'une intelligence collective ? Donc peut-être que Daniel Choquet aura des réponses à donner. Alors maintenant, quelques diapos sur l'être vivant dans son environnement. Alors, les êtres vivants réagissent bien sûr à leur environnement physique ou chimique. Alors chimique, c'est les conditions extrêmes telles que les archées ou les bactéries, hein, lorsqu'il fait 100 degrés, milieu acide, etc. Mais il n'y a pas que la réponse au stress au chimique, il y a également la réponse au stress physique. Et ça, c'est intuitif lorsqu'on voit un arbre, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, c'est très commun. Notre organisme, il répond à des stimuli physiques, lors du développement de l'embryon, par exemple. Et un arbre, c'est très visible, on voit qu'un arbre qui est soumis à un vent du littoral va se pencher. Alors on comprend maintenant comment ça se produit. À l'extrémité des branches, sur un jeune plan, ou à l'extrémité des planches ici qui peuvent produire d'autres branches et des feuilles, se trouve un tissu particulier qu'on voit ici, grâce à ces techniques nouvelles d'imagerie. On voit par-dessus, là, donc ce tissu particulier à partir duquel émergent de nouveaux organes, s'appelle le méristème. Et ce méristème, alors, vous voyez des cellules qui sont colorées en vert. Et lorsqu'on les presse, donc les chercheurs ont appliqué des forces mécaniques en haut et en bas. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on presse ce tissu? Il y a une induction de ces gènes. Ces gènes vont fonctionner, vont être activés. Et c'est ça qui va déclencher une réponse hormonale qui va faire que les tissus vont se différencier et vont produire des organes. Et ces organes vont suivre une direction liée à une hormone qu'on appelle l'auxine, une hormone végétale, qui est responsable de la croissance et de la mise en place des organes au niveau de la plante. Cette capacité qu'ont les cellules à réagir à un stress mécanique n'est pas propre, bien sûr, aux plantes. Vous voyez ici un exemple de cellules animales qui sont déposées sur deux types de supports. Un support mou. Alors, c'est un support mou, la cellule va s'étendre, elle va plutôt rester en boule. Par contre, c'est un support dur, la cellule va s'étirer selon un axe là, longitudinal. Donc il y a une importance donc, de ce stress, de ces forces mécaniques sur le comportement cellulaire. Alors là, c'est une étude très récente qui a été publiée cet été, 2017, par une équipe française, une équipe italienne, une équipe allemande. Et ils ont essayé de comprendre si les plantes pouvaient répondre à un son. Alors ils ont appliqué une fréquence qui correspond à peu près à la fréquence focale de la voix féminine, 200 Hz. Alors j'ai écouté ce matin, j'ai essayé de voir à quoi ça correspondait. C'est un peu aigu, mais pas trop, c'est supportable, hein, ceci. Et alors ce qui est intéressant, vous voyez sur la boîte de gauche, pour vous, c'est le contrôle, il n'y a pas eu de fréquence appliquée. Et sur la boîte de droite, la fréquence a été appliquée dans ce sens-là. Et pendant 2 semaines, donc les plantes ont été mises en culture de manière verticale, et on observe que les racines sont attirées par cette voix féminine, par les 200 Hz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau cellulaire, cette attraction vers le son met en jeu des flux d'ions, des flux de calcium et de potassium, et ce sont les mêmes types de flux qu'on rencontre dans les cellules animales qui perçoivent le son, les fréquences sonores. Alors maintenant, je vais illustrer à travers ces diapositives les interactions entre êtres vivants, avec deux exemples. Le premier exemple, c'est le parasitisme, donc plutôt négatif. Et le deuxième exemple, c'est un exemple positif, la symbiose. Alors le parasitisme, la toxoplasmose, toutes les femmes qui attendent un enfant sont inquiètes au niveau de la toxoplasmose, et donc elles connaissent. Le grand public connaît ce terme toxoplasmose. Qu'est-ce qui se passe? C'est un parasite des souris. Et ce parasite, il va altérer la perception sensorielle, mais vraiment d'une manière très précise,
la souris qui habituellement a une aversion pour l'urine des chats, donc il va fuir le chat parce que dès qu'il sent son urine, là, le parasite va faire l'inverse. Le parasite va faire que cette perception va être modifiée et la souris va être attirée par l'urine du chat. Donc la conséquence est qu'elle va se faire bouffer par le chat et que le parasite va pouvoir se reproduire dans l'intestin du chat. Donc on a vraiment là une situation très complexe où le parasite altère dans un premier temps le comportement sensoriel, mais vraiment les autres perceptions de la souris ne sont pas affectées. C'est vraiment uniquement cette aversion pour l'urine de chat qui est altérée. Et ensuite, le parasite va faire son développement reproductif au niveau de l'intestin du chat. Alors, dans l'exemple de droite, c'est une symbiose. Alors, les légumineuses, donc un certain nombre de plantes, du pois, le haricot, le soja, ont la capacité d'interagir avec une bactérie. C'est une bactérie du sol qui va lancer un signal. Ce signal va être perçu par la plante qui va produire une excroissance qu'on appelle un nodule. Et dans ce nodule va se multiplier les bactéries. Ces bactéries ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique pour produire de l'ammoniac qui va être utilisé par la plante pour produire des protéines. Et en contrepartie, la bactérie va utiliser les sucres produits par la photosynthèse au niveau des feuilles pour se nourrir. Donc il y a une réciprocité, hein, ce qu'on appelle une symbiose. Les deux organismes tirent bénéfice de chacun de leur métabolisme. Et enfin, ma dernière diapositive, l'impact de l'être vivant sur l'environnement. Alors, un impact très positif, c'est le phytoplancton. Donc, ce sont ces organismes microscopiques qu'on trouve dans les océans et qui ont la capacité de fixer le gaz carbonique pour produire des sucres et de l'oxygène. Donc, le CO2 transformé en oxygène et en sucre. Et cet oxygène est libéré à la surface des océans dans l'atmosphère. Donc ça a joué un rôle extrêmement important au cours de l'évolution géologique, hein, de la Terre, puisque au fur et à mesure de la photosynthèse, la teneur en oxygène a augmenté, ce qui a permis à des organismes comme nous d'apparaître dans l'arbre de la vie. Alors actuellement, on considère que grâce au phytoplancton, à peu près 50% de l'oxygène que nous respirons provient de ce phytoplancton. Le reste provient des plantes vertes terrestres. Et là, vous voyez un aspect très négatif que l'être humain peut avoir sur son environnement. C'est une photo d'une usine de nickel à Cuba. Le site est extrêmement pollué. C'est à Moa, au nord-est de Cuba. Production importante de nickel. Et il y a une pollution des cours d'eau et de la mer juste à proximité du site qui est extrêmement importante. Vous savez, c'est un exemple parmi tant d'autres de l'effet très négatif de la pollution et de l'impact de l'homme sur l'environnement. Et je vais m'arrêter là et passer la parole à Daniel Choquet avec une introduction de la journaliste. Daniel Choquet, vous êtes directeur, vous êtes chercheur en neurobiologie au CNRS. Et là, je vais vous poser la question suivante. On a beaucoup entendu parler jusque-là d'intelligence à plusieurs niveaux. Quelle est la spécificité de l'intelligence du cerveau ? On pourrait dire quand même que le cerveau, c'est quand même le siège de l'intelligence. Ce qui fait la spécificité du cerveau, donc le cerveau, c'est un organe finalement comme d'autres et constitué de cellules, comme tous les autres organes, comme toutes les cellules, même unicellulaires. Donc c'est beaucoup de cellules unicellulaires. Il y a à peu près autant de neurones, même moins de neurones que de bactéries dans l'estomac. Donc finalement, c'est pour ça des fois on parle de second cerveau. Mais ce qui fait la complexité absolument stupéfiante du cerveau et ce qui fait sa fonction, c'est les connexions, la multiplicité absolument incroyable des connexions. Et c'est ça qui fait que le cerveau est le siège de l'intelligence. Et c'est ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de cette infinie complexité du cerveau. Et comment, pour comprendre cette infinie complexité du cerveau, les chercheurs ont développé toute une batterie de technologies. Je ne vais pas vous parler de tout, je vais vous parler d'une famille de technologies qui permettent d'aller voir l'infiniment petit. Et je vais essayer de vous raconter une histoire où on va voir comment, en utilisant des techniques vraiment très poussées, vraiment dérivées de la physique, avec l'aide de chimistes, on arrive à voir jusqu'à des molécules individuelles, donc vraiment
quasiment une résolution atomique, et comment grâce à ça, on réussit à comprendre des propriétés des cellules nerveuses qui après nous permettent de comprendre comment est-ce que l'intelligence se fait, et en particulier comment est-ce que la mémoire se forme, et comment est-ce que peut-être dans le futur, on va pouvoir corriger des défauts de la mémoire. Donc le cerveau, je réponds à la question, vous savez tous que c'est vraiment le... C'est la tour de contrôle de notre corps. Hein. C'est vraiment le cerveau contrôle non pas toutes les fonctions, mais beaucoup des fonctions du corps. Ça reste encore une grande boîte noire, mais on va voir, c'est un petit peu un jeu de mots, que la lumière, et en particulier les techniques d'imagerie qui utilisent la lumière, nous permettent de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de ce cerveau. Donc le cerveau, il faut le regarder à plusieurs échelles, à l'échelle macroscopique, à l'échelle mésoscopique et à l'échelle microscopique. Mésoscopique, c'est un terme qu'on n'utilise pas énormément, mais qui est assez facile à comprendre. C'est ce qui est entre micro, donc micron, c'est le cheveu en gros, hein, et puis macro, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du millimètre et plus grand. Donc le cerveau, vous savez que c'est formé de tout un ensemble de cellules qu'on appelle des neurones. Il y a aussi des cellules gliales auxquelles on attribue souvent le rôle de cellules support, qui ont en fait des fonctions un peu plus sophistiquées, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Il y a à peu près une centaine de milliards de neurones dans un cerveau. Donc finalement, c'est beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Ce qu'il y a surtout, c'est que chaque neurone est capable de communiquer à peu près avec 10 000 autres neurones. Donc, on voit tout de suite l'apparition d'une complexité absolument considérable. Il n'y a aucun autre organe dans le corps qui ait cette telle complexité par cette capacité comme ça de communiquer les unes avec les autres. Et alors, cette communication, elle se fait au niveau de petits organelles qu'on appelle les synapses. L'existence de ces synapses a été postulée par Ramon y Cajal et par Sherrington il y a déjà une centaine d'années. Et bien que leur existence ait été postulée il y a une centaine d'années, on commence tout juste à vraiment comprendre comment ces synapses fonctionnent, et c'est un petit peu ça qu'on va regarder ensemble. Juste là aussi, pour vous donner un peu une idée d'une échelle de temps, avant donc la fin du 19e et ses découvreurs, on pensait que le cerveau était une masse gélatineuse dont on ne savait pas très bien comment ça pouvait fonctionner. Même si on remonte un tout petit peu plus dans le temps, on n'était pas absolument certain que l'intelligence était vraiment le siège de l'intelligence, c'était vraiment dans le cerveau, et un peu d'intelligence dans le cœur, dans différents autres organes. Bon, je vous rassure, l'intelligence, je pense, c'est vraiment dans le cerveau. Donc allons regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de ces synapses, et puis ce qu'on a appris ces dernières années en termes de son organisation. Donc voilà cette même synapse ici, schématisée. Donc c'est très grand, hein, là elle fait à peu près 2 mètres de long. En réalité, une synapse, c'est à peu près 1 micron. Alors qu'est-ce qu'on a dans une synapse ? Ben, on a une première cellule, ici un bout de neurone qui envoie un prolongement à travers ce qu'on appelle un axone, et ce prolongement est rempli de vésicules, d'une molécule qu'on appelle le neurotransmetteur. Il y a différents types de neurotransmetteurs. Nous, on travaille beaucoup sur un en particulier qui s'appelle le glutamate. C'est le même glutamate que vous trouvez comme agent de saveur dans les plats. Vous pouvez en manger autant que vous voulez, ça ne changera rien à votre intelligence. Il y a des barrières métaboliques dans le cerveau qui font que la quantité de glutamate que vous mangez n'a pas d'impact sur votre intelligence. Donc vous pouvez aller au restaurant chinois ou ne pas y aller, ça ne changera rien. Mais c'est la même molécule. Et donc, quand il y a un potentiel d'action qui arrive dans ce neurone, ces vésicules fusionnent avec la membrane et vont activer en face tout un ensemble de protéines qu'on appelle des récepteurs de neurotransmetteurs. Et quand ces neurotransmetteurs vont se lier, il va y avoir un signal chimique qui va être transmis, effectivement, et qui va permettre à l'information, comme ça, de passer de cette cellule qu'on appelle présynaptique, avant la synapse, à la cellule postsynaptique, qui est après la synapse. Je fais une description très rapide du fonctionnement, parce que sinon, il faudrait qu'on y passe toute la nuit, pour aller se concentrer sur ces récepteurs et la façon dont ils sont organisés. Vous comprendrez facilement que l'efficacité de la transmission entre cette première cellule et cette deuxième cellule va dépendre, bien sûr, du nombre de molécules de neurotransmetteurs, mais va aussi dépendre du nombre de récepteurs. Plus il y a de récepteurs,
plus la synapse va être efficace, moins il y a de récepteurs, moins la synapse va être efficace. Et ce que les chercheurs de différents groupes un peu partout dans le monde ont découvert il y a à peu près une quinzaine d'années, donc quand même très récemment, c'est que l'efficacité de cette transmission synaptique, elle est contrôlée par ce nombre de récepteurs, d'une part, et que d'autre part, cette efficacité de la transmission synaptique, c'est probablement elle qui est à la base des phénomènes de mémorisation, de mémoire et d'apprentissage. Donc, vous pensez bien qu'avec un tel postulat, essayer de comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne est d'une importance absolument capitale pour comprendre comment est-ce qu'on peut apprendre dans un état normal et puis surtout pour comprendre comment ces phénomènes d'apprentissage peuvent être altérés dans différentes maladies. Vous connaissez tous, bien sûr, la maladie d'Alzheimer, qu'on appelle aussi la maladie de la mémoire, et dont on pense qu'un des premiers symptômes, une des premières raisons des pertes cognitives qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer sont dues à des défauts de fonctionnement de ces synapses. Donc un intérêt considérable à aller comprendre comment ça marche. Donc pour comprendre comment ça marche, rien de tel que de regarder comment ça marche. Certains d'entre vous reconnaissent peut-être ce type d'image qu'on appelle des images de microscopie électronique. Ça utilise des microscopes qui utilisent des électrons pour aller regarder l'organisation. C'est une technique d'imagerie qui est extrêmement résolutive. Ça a une précision qui est du millième de micron, autrement le nanomètre. Et on reconnaît cette synapse ici. Donc on la voit très bien. Et un gros problème avec cette technique de microscopie électronique, c'est qu'on est obligé de mettre les échantillons dans le vide pour les regarder. Donc c'est totalement incompatible avec le vivant. Et donc si on veut regarder un neurone en train de fonctionner, et vous allez voir que ça a un gros intérêt, on ne peut pas utiliser cette technique de microscopie électronique. Donc ce qu'on a fait avec d'autres, et en particulier avec des physiciens, c'est qu'on a attaché des petites molécules fluorescentes sur nos récepteurs, et on a utilisé des techniques véritablement dérivées de l'astronomie. C'est là que l'interdisciplinarité dont parlait Catherine est extrêmement importante. En astronomie, ils ont besoin de voir des signaux très très faibles qui viennent d'étoiles individuelles. Eh ben, on a utilisé les mêmes approches, les mêmes détecteurs, les mêmes caméras, les mêmes logiciels de détection pour aller regarder comme ça le signal qui est émis par une molécule individuelle. Quand on fait ça, voilà ce qu'on voit. Ça, c'est l'image d'un bout de dendrite avec des morceaux de synapse ici, qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit quand on regarde avec un microscope à fluorescence conventionnel, on va dire, donc limité par la diffraction, quand on regarde l'ensemble des molécules. On ne voit pas grand-chose. Bon, on voit une grosse boule, on va dire. Chaque boule ici est une synapse. Et puis, quand on essaye de regarder plusieurs molécules qui sont présentes dans cette synapse, donc par exemple, si on essaye de regarder le récepteur de type 1 ici et le récepteur de type 2, ben, on ne voit pas grand-chose. Tout ça est un petit peu mélangé. Il y a une molécule qui est marquée en rouge, une molécule qui est marquée en vert, tout ça se mélange, on voit du jaune, on ne distingue pas. Et ben, en allant regarder les récepteurs et les molécules une par une, grâce à ce marquage de molécules individuelles, voilà ce qu'on révèle. C'est qu'on révèle qu'en fait, tout ça est organisé de manière beaucoup plus fine que ce qu'on pensait, et on a des molécules qui sont certaines organisées au centre de la synapse, d'autres organisées en périphérie. Donc, voilà la même chose un petit peu grossie. Donc ça, c'est à peu près un micron. Hein. Une synapse, c'est à peu près un micron, un vingtième de cheveux. Et chaque molécule ici, là, c'est vraiment quelques nanomètres. Donc c'est pour vous donner une idée de la précision à laquelle qu'on arrive à atteindre maintenant. Donc ça, c'est des images encore relativement statiques, sur des cellules certes vivantes, mais on ne voit pas toute la dynamique des choses. Mais quand on regarde ces molécules individuelles, on peut faire une autre chose, c'est qu'on peut suivre leur mouvement au cours du temps. Donc c'est ça que vous allez voir sur ce petit film. Donc ce qu'on a ici, c'est un bout de dendrite, donc un bout de neurone. Marqué en vert, c'est une protéine qui marque en particulier les synapses. Donc ici, on a une synapse, ici, ici, ici. Tous ces bouts verts sont des synapses. Et en rouge, vous avez une molécule individuelle à chaque fois qui fait une tâche de diffraction et qu'on va pouvoir suivre au cours du temps. Et ce qu'on a découvert, il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années dans notre laboratoire, c'est que ces récepteurs, ils ne sont pas du tout immobiles comme on pensait qu'ils étaient autrefois, mais en fait, ils se déplacent en permanence, ils sont en agitation permanente à la surface du neurone. Donc ça, c'était vraiment une révolution conceptuelle, que ces synapses, elles fonctionnent avec des récepteurs, mais ces récepteurs, ils ne sont pas statiques, ils sont extrêmement mobiles.
Donc on s'est évidemment posé la question de savoir mais comment ça se fait, à quoi ça sert cette mobilité des récepteurs, est-ce que ça a la moindre fonction, qu'est-ce qui se passe quand c'est altéré, etc., etc. Donc première chose qu'on a fait, on a dit ben, une fonction importante des synapses, c'est de répondre à l'activité, c'est de changer d'efficacité quand on a une stimulation nerveuse. Voyons un peu, quand on prend nos neurones là et qu'on les stimule, qu'est-ce qui se passe sur la mobilité de ces récepteurs. Donc on a pris nos neurones, alors on les sort du cerveau pour les regarder, c'est plus commode. Donc d'ailleurs à la sortie, là je vous demanderai à certains d'entre vous s'ils peuvent me donner quelques bouts de cerveau, parce qu'on en a besoin pour nos expériences. Et on les met en culture, ça nous permet d'avoir un beau réseau neuronal en deux dimensions qu'on peut imager comme il faut. Et on va stimuler ce réseau à haute fréquence et on va regarder ce qui se passe. Donc voilà notre réseau de neurones. En vert, c'est des synapses qui sont marquées. Et puis on a nos récepteurs qui se déplacent à toute vitesse. Là, c'est à peu près en temps réel. Et puis, quand la barre rouge apparaît, on fait une stimulation à haute fréquence. Et qu'est-ce qu'on voit ? Les récepteurs s'immobilisent. Donc, ils s'arrêtent et on pense que c'est un processus important pour recruter des nouveaux récepteurs à la synapse. Et donc, on a cherché à savoir, à l'inverse, bon, bah, puisque quand on stimule comme ça un neurone à haute fréquence, les récepteurs s'arrêtent, peut-être que ça sert à quelque chose. Peut-être que ce changement d'état entre récepteurs mobiles et récepteurs immobiles, ça a une certaine fonction. Essayons d'analyser effectivement quelle peut être la fonction de ce mouvement de récepteur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé toute une batterie de nouvelles molécules qui sont capables d'arrêter de manière artificielle ce mouvement des récepteurs. Et on s'est dit, ben, on va regarder ce qui se passe, mais on va changer d'échelle. On va aller carrément regarder ce qui se passe sur la fonction du cerveau. Et une fonction du cerveau en particulier, c'est les fonctions d'apprentissage. Donc ce que vous allez voir là maintenant, c'est des expériences qui sont faites chez la souris, dans lequel on a pu, avec nos manipulations, regarder sur des souris contrôle ou des souris sur lesquelles on a immobilisé les récepteurs, comment est-ce que ça modifiait leur capacité d'apprentissage. Donc pour ça, donc le petit film va se lancer, pour ça, on prend donc nos souris, des souris qui ont des récepteurs mobiles, des souris qui ont des récepteurs immobiles, et puis on les met dans des contextes, dans des environnements. Vous voyez que les deux types de souris, avec des récepteurs immobiles et des récepteurs mobiles, se comportent exactement de la même façon, donc apparemment pas d'effet. On leur met un stimulus aversif qu'elles n'aiment pas, un chat par exemple, elles s'arrêtent toutes les deux. Et puis, ensuite, on les laisse se reposer pendant une journée et on les remet dans le même contexte, simplement en leur montrant l'endroit. Et vous voyez là, cette chose qui est intéressante, ça va rejouer. Ce qui s'est passé, ça joue un petit peu vite, ce qui s'est passé, c'est que la souris qui était ici, normale, elle est à nouveau dans le même contexte, elle s'arrête à nouveau parce qu'elle se dit peut-être que le chat va arriver. Alors que l'autre qui est ici, elle ne s'arrête pas parce qu'elle a complètement oublié que le chat avait été présent à cet endroit-là. Donc on le rejoue. Donc le stimulus aversif en contrôle, les deux souris s'arrêtent, elles ont peur. Le lendemain, on remet les souris dans le même environnement. La souris contrôle s'arrête parce qu'elle se dit « je connais cet environnement, c'est là qu'il y avait le chat, j'ai peur, je m'arrête ». Par contre, cette souris dans laquelle on a immobilisé les récepteurs, elle ne s'arrête pas parce qu'elle a complètement oublié qu'il y avait un chat qui était là. Donc, qu'est-ce que démontrent ces expériences ? Elles démontrent qu'en jouant sur cette mobilité des récepteurs, eh bien, on est capable d'influencer sur la mémoire. Donc, c'est encore très, très précoce. C'est la première fois qu'on découvre ce genre de choses. C'est vraiment le début d'une nouvelle aventure qui est de dire comment est-ce que, en contrôlant cette mobilité des récepteurs, on va pouvoir agir sur la mémoire. Et ce qu'on espère, bien sûr, c'est qu'en utilisant ces molécules et des molécules plus élaborées, on va pouvoir, effectivement, on espère, restaurer des problèmes de mémoire. Donc ça va se faire comment ? Je terminerai là-dessus. Ça va peut-être se faire là aussi avec la lumière, grâce à des découvertes qui ont été faites il y a quelques années de molécules qui sont sensibles à la lumière. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour dire que c'est tout ce qu'on appelle l'ensemble des technologies d'optogénétique. C'est des molécules qui sont
qui permettent, avec la lumière, de contrôler l'activité des neurones. Et donc, avec ces molécules-là, couplées à des molécules qui peuvent réguler la mobilité des récepteurs, on pense qu'on va pouvoir, effectivement, alors ça fait un petit peu peur, c'est une façon de lancer le débat aussi, mais on pense qu'on va pouvoir, effectivement, contrôler l'activité du cerveau par la lumière. Alors, pour le bien-être des fois des patients, par exemple, il y a des tests qui sont en train d'être faits sur la maladie de Parkinson pour restaurer une activité normale de certaines cellules du cerveau qui permettent de supprimer certains symptômes de la maladie de Parkinson. Évidemment, on peut aussi faire peur en disant ben, avec ça, on va pouvoir contrôler comment on pense. Mais ça, c'est la science qui a avec son côté blanc et son côté noir. Voilà. Je vous remercie. Merci. J'aimerais bien que l'un de vous évoque le procédé CRISPR-Cas9. Donc, effectivement, on en parle beaucoup dans les médias d'un point de vue technologie. C'est très utilisé dans les laboratoires. C'est un système qui est emprunté aux bactéries, puisque c'est un système enzymatique qui existe naturellement chez les bactéries, et qui, utilisé comme un outil technologique, se comporte comme des ciseaux moléculaires, et permet effectivement de, dans les expériences de modifier les gènes choisis par l'expérimentateur pour les corriger, les changer, les localiser, les bouger de place, etc. Donc c'est un super outil technologique. J'en profite quand même pour rappeler l'origine de cet outil technologique qui révolutionne la recherche et qui pourrait révolutionner probablement pas mal de choses en termes d'application environnementale ou santé humaine. L'origine, c'est quand même, ça a commencé en 1987 dans un laboratoire japonais où des généticiens des bactéries se sont aperçus que dans les génomes qu'ils regardaient, il y avait des trucs bizarres, il y avait des petites séquences d'ADN qui étaient répétées. Donc ça intéressait strictement personne, mais eux ont trouvé ça bizarre, donc ils ont regardé ce que c'était que ces séquences répétées, et puis l'histoire a duré une bonne vingtaine d'années, et même plus, jusqu'à ce qu'on découvre que ces séquences répétées, qu'on appelle CRISPR, servent aux bactéries. Elles sont super utiles, super essentielles même pour les bactéries, parce que les bactéries s'en servent pour éradiquer les virus qui les infectent, parce que les bactéries aussi ont des problèmes avec les virus, sont infectées par des virus qu'on appelle les virophages, et elles ont en quelque sorte une espèce de système immunitaire qui fait que quand elles ont vu une première fois un virus, elles sont capables de s'en débarrasser, un peu comme nous, on s'en débarrasse avec notre immunité acquise. Donc, ce système-là, et les bactéries utilisent leur séquence CRISPR avec une enzyme qui s'appelle Cas9, et donc le système CRISPR-Cas9 leur permet d'exploser le génome viral à des endroits précis. Et donc ça, c'est de la recherche purement fondamentale, c'est 20 ou 25 ans qui aboutit à la découverte effectivement de cette espèce de système immunitaire entre guillemets des bactéries, jusqu'à ce que effectivement dans les années 2000-2010, deux chercheuses initialement, enfin d'autres d'ailleurs, il y a un gros débat à ce sujet, se disent « Ah, mais c'est amusant !» Cette découverte hyper fondamentale dont on pensait qu'elle n'allait jamais servir à rien, hein, si ce n'est d'avoir découvert que les bactéries avaient un système immunitaire, on pourrait s'en servir comme des ciseaux moléculaires. Donc où on en est actuellement, cette technique-là est tellement intéressante que dans les laboratoires, pour faire des expériences dans le cadre d'un laboratoire, elle est extrêmement utilisée par les chercheurs du monde entier, je pense. En revanche, et c'est là qu'on aborde quelque chose qui dépasse les chercheurs, c'est l'utilisation qu'on peut faire de cette technique-là, par exemple en santé humaine, pour corriger des gènes à l'origine de maladies, ou éradiquer, par exemple, essayer d'éradiquer
l'agent de la malaria qui se propage chez un moustique. Voilà, donc là, il y a des perspectives d'utilisation de cette technologie hein, héritée des bactéries. Et ça fait un gros débat. Il y a eu un article de publié dans Nature au mois d'août, où, dans un cadre expérimental, purement expérimental aux États-Unis, en collaboration avec une équipe de Corée du Sud d'ailleurs, des chercheurs ont montré que un embryon humain porteur d'un gène qui confère une maladie extrêmement invalidante et potentiellement létale, chez ces embryons humains en laboratoire, on avait pu, en utilisant ces ciseaux CRISPR-Cas9, corriger ce gène-là. Alors attention, c'est de la recherche, hein. C'est pas ça. Voilà, c'est de la recherche qui utilise des embryons humains qui sont des dons. Donc il y a un gros débat sur sommes-nous prêts à utiliser ce genre de technologie. Donc moi, on est dans le domaine de l'éthique, c'est des débats qui doivent impliquer les chercheurs et la société. En tant que chercheur, moi je dirais actuellement que cette technique-là, premièrement, sur le plan purement fondamental, on ne connaît pas encore parfaitement le mécanisme fin par lequel ces ciseaux peuvent couper les gènes. On n'en est pas encore là. On ne maîtrise pas complètement les bases moléculaires et chimiques de cet outil-là, premièrement. Et deuxièmement, on sait qu'il n'est pas fiable actuellement à 100%. C'est-à-dire qu'il y a un risque quand vous utilisez votre paire de ciseaux, vous coupez le bon gène, vous le remplacez par quelque chose que vous voulez, qui va le corriger, mais vous pouvez aussi accidentellement taper à côté. Donc, bon, voilà. Donc, Pour l'instant, ce n'est pas appliqué du tout en agronomie Non. Normalement, enfin après, ça dépend des pays, etc. Mais je ne pense pas. Bon, mais je crois qu'on va passer la parole à la salle. Bonsoir et merci. Vous parliez tout à l'heure des virophages, qui sont des virus de bactéries. Et j'ai entendu parler cette année, je ne sais pas quoi le nom qu'on lui donne, mais il y a un problème actuel qu'on se pose aussi avec les bactéries, c'est la résistance aux antibiotiques. Et il me semble que dans les pays de l'Est, depuis plusieurs années, ils essayent de développer en fait, des médicaments à base de thérapie phagique. Enfin, je ne suis pas sûre de ce que je dis. Du coup, où est-ce que ça en est? Est-ce qu'en France, c'est quelque chose auquel on s'intéresse? Et qu'est-ce que ça pourrait donner dans quelques années? Oui, c'est quelque chose auquel, de toute manière, la recherche est mondiale. Hein. Il n'y a pas, dans un pays, se fait quelque chose, est-ce qu'en France... Enfin, voilà, la recherche, c'est mondial ou ça n'est pas. Hein. Et donc, effectivement, la résistance aux antibiotiques est une catastrophe en santé vraiment planétaire. Et pratiquement tous les pays, d'ailleurs l'OMS a alerté en disant qu'il était extrêmement important de développer des nouvelles recherches, d'ailleurs très fondamentales, pour déjà mieux connaître les bactéries avant de se précipiter à essayer de trouver des solutions, alors qu'on ne connaît pas finement l'organisation moléculaire, non seulement de la membrane bactérielle, mais de la paroi, voire de la capsule, parce que c'est extrêmement complexe, les enrobages de bactéries, et que ces connaissances fondamentales là, elles étaient essentielles, en particulier pour développer des stratégies d'éradication de bactéries pathogènes qui ne reposent pas sur des antimicrobiens qu'on appelle des antibiotiques. Donc il y a effectivement énormément de recherches qui sont faites dans ce sens-là. Il y en a une, il y a un axe de recherche qui effectivement utilise
la propriété qu'ont les virus de bactéries de percer la paroi des bactéries avec des systèmes extrêmement sophistiqués d'un point de vue moléculaire, d'espèces de forages à travers tout ce que je viens de décrire, là, capsule, paroi, membrane, donc qui pourraient être utilisées comme des armes, donc nouvelles armes très ciblées hein, sur telle ou telle bactérie pour s'en débarrasser simplement en les faisant en les trouant quoi. Mais il y a d'autres stratégies aussi qui sont utilisées, notamment l'idée de développer des nouvelles molécules chimiques qui vont spécifiquement pouvoir désorganiser la paroi bactérienne ou la membrane bactérienne. Donc ça, c'est un grand enjeu et pour qu'on le réussisse, il faut se reposer la question des fondamentaux hein, et de comment sont faites les parois et enveloppes bactériennes. Donc oui, tout à fait, ce que vous dites, c'est un axe de recherche qui est développé partout, mais pas le seul. Hein. En tout cas, il faut absolument qu'on trouve une alternative aux antibiotiques parce que la situation est véritablement dramatique, notamment quand on voit à l'échelle de l'Europe tous les pays qui ont massivement nourri le bétail avec des antibiotiques sont des pays qui sont touchés par ce fléau de résistance, alors que les pays comme par exemple les pays du Nord qui n'ont pas utilisé massivement ces antibiotiques sont beaucoup moins affectés, mais c'est un problème de santé mondiale et effectivement il faut trouver des alternatives. Voilà. Oui, bonjour. J'ai découvert il y a peu de temps qu'avec de l'uranium appauvri, on pouvait faire de la poussière de mort. Et du coup, c'est des bombes qui sont produites par les États-Unis et Israël, la France, et qui cassent le génome humain, apparemment. Et du coup, ça me faisait penser à ces ciseaux CRISPR-Cas9. Et je voulais savoir s'il y avait des études qui étaient faites sur l'influence du nucléaire, mais aussi justement de ces bombes poussière de mort, puisque au final, qu'est-ce que ça entraîne vraiment sur le corps humain et, qu'est-ce que c'est de fracasser le code génétique ? Je voudrais déjà dire qu'on n'a pas la science infuse et qu'on connaît. Déjà, je me suis étonnée moi-même de répondre à la question précédente parce qu'on est tous, on est chacun trois chercheurs spécialisés dans un domaine. Donc, même si on a participé tous les trois à l'écriture, on s'est beaucoup découvert les uns les autres. Donc, bon, alors dans les études qui sont menées sur les génomes, il y a effectivement tout un tas d'études sur la manière dont ça se casse hein, par différents agents et dont ça se répare également. Hein. Donc, parce que, en fait, c'est des choses qui nous arrivent tous les jours. Hein. Nous, dans notre organisme, notamment au niveau des tissus qui sont exposés, par exemple, au soleil, on a des mutations, c'est-à-dire des cassures, en tout cas, de l'ADN tous les jours. Quand vous prenez un coup de soleil, c'est assez catastrophique ce qui peut se passer. Soit la cellule se tue par une mort, elle se suicide. Il y a des mécanismes hein, qui font que si le génome est trop abîmé, en fait, quand le génome est abîmé, ce qui se passe, c'est que la cellule essaye de le réparer. Donc, si elle était en division, elle s'arrête de se diviser hein, et elle lance un programme interne qu'elle a de réparation de son ADN avec des enzymes qui vont pouvoir recoller les bouts qui ont été cassés, voire restaurer des parties manquantes. Donc elle a un arsenal à sa disposition de réparation de l'ADN. Si tout se passe bien, elle répare et elle continue sa vie. Si elle était d'ailleurs en train de se diviser, vraiment, elle s'arrête hein, et elle ne repartira dans le cycle cellulaire qu'après qu'elle est réparée. Si les dommages sont trop importants, ce qui peut arriver par exemple dans des cas de radiation énorme où le génome est quasiment haché menu, dans ce cas-là, la cellule n'arrive pas à réparer, c'est beaucoup trop pour elle, et c'est infernal, il faudrait qu'elle restaure un génome qui a été haché menu. Et dans ce cas-là, comme je le disais, elle a les cellules, en tout cas les cellules eucaryotes, ont un système de mort.
elles se tuent, hein, et elles organisent leur propre mort. Hein. C'est pas je pars, voilà, je m'éparpille parce que j'ai plus de génome et je me répands partout. Non, c'est quelque chose qui d'ailleurs a un coût énergétique. Et les cellules se tuent. Donc il y a une espèce de choix qui et on préfère se tuer plutôt que bah, de rester avec des énormes anomalies, voire de se diviser en entraînant des anomalies. Ça c'est quand tout se passe bien. Et effectivement, il y a des cas de figure où la cellule va pouvoir survivre avec des défauts. Et entraîner ces défauts, bon, bah, quand c'est chez vous et quand c'est pas dans des cellules reproductrices, ces défauts sont limités à l'individu. Si en plus ça passe dans les cellules reproductrices, bon, ça fait éventuellement de l'évolution. Ou, voilà. Alors maintenant, sur les armes, j'y connais juste rien, mais on connaît effectivement le génome, bien que très protégé, susceptible d'être réparé, etc. On est dans de la chimie quand même, hein, donc ça peut être effectivement. Là, je connais, j'ai pas la réponse à votre question, mais voilà, il y a des agents mutagènes, on le sait, hein, qui peuvent être utilisés comme des armes. Enfin, je sais pas. Je voudrais faire un commentaire. C'est pas une réponse, hein, du tout. C'est un commentaire, notamment par rapport à ce qu'a dit Catherine Jessieu au début de son intervention sur les capacités qu'ont certains organismes de résister à des conditions extrêmes. Et il se trouve qu'il a été trouvé des micro-algues vertes dans les piscines nucléaires. Ce qui veut dire que certains organismes ont des capacités de réparation de l'ADN qu'on ne connaît pas encore, hein, et on ne connaît pas ces mécanismes qui permettent de protéger le génome de ces algues vertes à des très fortes irradiations. Et potentiellement, ce sont des outils, lorsqu'on connaîtra les mécanismes, qui permettront d'éviter, en tout cas, de lutter ou d'avoir des approches pour aller à l'encontre de fractures du génome et aider la réparation de l'ADN sur des cellules humaines ou autres. Et puis je voudrais faire un commentaire un peu par rapport aux antibiotiques. Catherine a parlé des phages, mais lorsque je vous ai présenté très brièvement la symbiose des bactéries qui sont fixatrices d'azote chez les plantes, il y a ce nodule qui se forme au niveau de la racine. Et associé à cette formation de nodule, il y a à peu près 1000 petits peptides, petites protéines qui sont synthétisées par la plante au niveau de la racine. Et il se trouve qu'au niveau du nodule, il n'y a que cette bactérie symbiotique qui est présente. Il n'y a pas d'autres contaminants. Et on pense que peut-être qu'il y aurait certains peptides qui auraient cette capacité antibactérienne et qui permettraient l'installation de cette bactérie fixatrice d'azote, mais pas les autres. Donc là, il y a également des recherches qui sont faites pour essayer d'identifier parmi ces composés naturels s'il n'y aurait pas des antibactériens. Pour votre vulgarisation, j'ai une question concernant l'éthique. Qui positionne l'éthique ? Est-ce que l'éthique doit être nationale ou internationale ? Concernant la gestation pour autrui, elle n'est pas autorisée en France, mais elle est autorisée à l'étranger. Donc le problème, c'est le droit de la femme concernant l'esclavage moderne n'est pas applicable en France, mais on l'autorise à l'étranger et on reconnaît les enfants en France par la suite. Donc qui positionne l'éthique et comment ça fonctionne ? Oui, c'est une question politique, oui, c'est ça. Donc actuellement, ce qui est clair, c'est qu'il y a des comités d'éthique au niveau national. Il y a un comité d'éthique en France qui se nourrit d'ailleurs des comités d'éthique qui existent dans les organismes de recherche, voilà. Donc voilà, et même à l'échelle européenne, c'est déjà, il y a des différences, hein, dans un certain nombre de règles qui sont édictées. Donc même à l'échelle européenne, s'il y a des règles européenne, effectivement, il y a quand même une partie qui dépend de la souveraineté nationale et qui introduit effectivement des différences, même entre pays européens. Donc, enfin,
aller à un niveau mondial semble ce qu'il faudrait faire, mais là, enfin, je suis pas du tout, je peux pas du tout parler de ça parce que ça sort de mon champ, hein, et c'est une question très très grave et très importante, certes, mais qui doit être partagée qui est plus dans le domaine citoyen et politique d'ailleurs que chercheur Pratt, je pense. Après, si je peux juste ajouter un point pour répondre à votre question, il y a une réflexion éthique internationale à travers en particulier les sociétés savantes, qui sont des sociétés mondiales, qui ont des réflexions éthiques. Après, les comités éthiques et les décisions sont nationales, évidemment. Dans le cas de Mycobacterium tuberculosis, est-ce qu'on connaît mieux les mécanismes MDR de plusieurs souches qui, par ailleurs, sont en train d'augmenter partout dans le monde depuis un certain temps? La question est simple, c'est-à-dire que dans le cas du traitement antituberculeux, il y a actuellement, mais depuis longtemps, antituberculeux, Mycobacterium tuberculosis, c'est le gène responsable de la tuberculose pulmonaire et d'autres formes aussi. Mais est-ce qu'on connaît mieux les mécanismes qui rendent multidrug résistants à certaines souches, pas à toutes, mais heureusement, et qui sont en train d'augmenter partout dans le monde depuis longtemps? Oui, donc ça rejoint la question qui avait été posée dans un cadre plus global que celui de la tuberculose. Donc la tuberculose, à nouveau, l'OMS alerte parce que ça tue énormément. Je ne sais plus combien de millions de personnes par an. On sait que le vaccin, le BCG, n'est pas très efficace. Hein, on va dire ça comme ça, et qu'on a des souches, certaines souches et pas d'autres, effectivement, qui sont multirésistantes. Donc c'est clair. Et là, il y a tout un axe de recherche qui existe à l'échelle mondiale travailler. Alors, je ne sais pas, sur la question de l'origine de la multirésistance aux drogues, je pense aux antimicrobiens, je pense qu'on a beaucoup avancé, mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, sur les systèmes génétiques qui se mettent en place, je pense qu'on a beaucoup avancé là-dessus. Mais du coup, maintenant, on revient à la même question, qui est de développer des stratégies alternatives à celles qu'on a pour combattre ce fléau qu'est la tuberculose. Donc là, je sais, y compris en France, hein, on a des laboratoires CNRS et INSERM qui travaillent là-dessus sur des stratégies alternatives. Je suis désolée, je peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, sauf que c'est vraiment un champ de recherche extrêmement actif, à la fois sur le fondamental et sur travailler à des solutions de lutte. Bonjour, j'avais une question sur le pouvoir pathogène et symbiotique des archées. C'est trop récent, c'est pas encore. Ouais, les archées, vous savez, c'est un monde absolument fascinant. Beaucoup d'archées sont ce qu'on appelle nous extrémophiles. Hein, bon, pour elles, ça ne l'est pas vraiment. Et on est au début de l'exploration. Pourquoi ? Parce que ce sont des cellules qu'on a beaucoup de mal à cultiver et à étudier en laboratoire. Parce que justement, leurs conditions de culture pour les étudier sont tellement compliquées qu'on y arrive très très peu. Donc il y a très peu déjà de modèles d'archées qui sont utilisés véritablement en laboratoire
pour comprendre comment ça fonctionne, ça se reproduit, etc. Ça a des génomes pas du tout comme les bactéries, hein, beaucoup plus complexes, mais ça n'a pas d'enveloppe de compartiment intracellulaire visiblement. Et puis ça a une composant, des composants de membranes cellulaires extrêmement originaux. Et donc tout ce qu'on a actuellement, ce qu'on fait beaucoup sur les archées, c'est des analyses génomiques pour, et c'est là qu'on se rend compte de leur extrême diversité, et effectivement qu'on regarde comment elles vivent en milieu naturel. Donc il y a des communautés qui sont extrêmement élaborées. Donc je pense que personne n'a la réponse à cette question, mais pour moi, il ne fait nul doute qu'on va aller vers des écosystèmes avec, dans certains cas, des archées majoritaires qui ont fatalement des relations symbiotiques, parasites, etc. Ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est qu'on avait catalogué les interactions entre voilà ce qui est symbiote, c'est-à-dire bénéfice réciproque, ce qui est parasite, et ce qui s'occuperait à la limite pas l'un de l'autre. En fait, on sait maintenant qu'on a des franchissements, que des symbioses peuvent devenir du parasitisme et du parasitisme se réverser vers de la symbiose. Donc on n'est pas du tout dans des choses fixées, mais on est vraiment dans des équilibres. Et donc, à ma connaissance également, il n'existe pas encore d'archées pathogène, voilà, jusqu'à preuve du contraire, hein, bien sûr. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport aux neurotransmetteurs. Dans plein d'articles de sociétés où beaucoup de choses ont été vulgarisées, on dit souvent que la dopamine est responsable de beaucoup de choses, y compris l'excitation, le changement d'humeur. Ça peut être responsable de plusieurs maladies, comme de la bipolarité, par exemple. Et ça, c'est des articles de société. Et je voulais savoir aujourd'hui où ça en est par rapport aux articles scientifiques. Et si aujourd'hui, on est capable d'imager, si la lumière est capable d'accéder à ce... Si grâce à la lumière, on est capable d'accéder à ce niveau, à cette échelle-là. Et si... est-ce qu'on est capable de prouver si c'est vrai ou pas, si la dopamine a ce rôle partout Fait. Donc la dopamine, c'est effectivement un neurotransmetteur extraordinairement important. On parle plutôt d'ailleurs de neuromodulateur, puisque la dopamine se relargue de manière un petit peu globale dans des régions du cerveau et permet effectivement de moduler l'activité des neurones. Donc on a d'un côté le glutamate qui est responsable de la transmission rapide, et puis d'un autre côté, la dopamine qui permet de moduler ça. La dopamine, donc il y a tout un grand nombre de types de neurones différents qui relarguent de la dopamine, qui ont des fonctions extrêmement différentes. On parlait tout à l'heure de la maladie de Parkinson. Les neurones à dopamine permettent de contrôler, de moduler l'activité de neurones qui eux-mêmes contrôlent des activités motrices. La dopamine est aussi extrêmement important dans les rôles de motivation. Pour faire une action, il faut que vous soyez motivé à le faire. Et la dopamine, c'est la molécule de la récompense. À chaque fois que vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, à chaque fois que vous regardez vos SMS sur votre téléphone, il y a un petit relargage de dopamine qui vous dit « Ah, chic, il faut surtout que dans les 10 prochaines minutes, j'aille regarder à nouveau mon téléphone. » Quand vous fumez une cigarette, pareil. Enfin, tout ce système de récompense qui nous permet d'exister, de vivre, qui nous motive, c'est de la dopamine. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de maladies psychiatriques, en particulier la dépression, qui sont dues à des défauts. Il n'y a pas assez de dopamine, donc on n'est plus assez motivé pour se lever, etc. Dans le cas de la maladie de Parkinson, comme vous le savez, peut-être, il y a en particulier des neurones dopaminergiques qui sont le plus fragiles et qui sont les premiers à disparaître. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces problèmes de marche, etc., et puis des problèmes cognitifs après. Et donc, ce que font les chercheurs depuis un moment maintenant, autrefois, enfin, on continue à le faire, bien sûr, de façon tout à fait importante, on donne des substituts de dopamine qui permettent de corriger les niveaux de dopamine dans le cerveau. Ce qui se fait maintenant depuis plusieurs années, c'est de faire des stimulations électriques des neurones dopaminergiques qui restent pour relarguer plus de dopamine.
Et ce qu'on commence à faire, mais de manière tout à fait expérimentale encore, c'est effectivement de mettre dans les dopaminergiques des molécules sensibles à la lumière qu'on va pouvoir exciter avec de la lumière pour augmenter l'excitation des neurones dopaminergiques qui restent pour augmenter effectivement ce largage de dopamine et corriger les défauts de la maladie de Parkinson, les défauts moteurs en particulier. Donc la réponse à votre question est très simple. Oui, la dopamine est absolument fondamentale. Ça a un rôle extraordinairement important dans des tas de fonctions du cerveau et on commence à connaître de mieux en mieux comment ça fonctionne effectivement. Bonsoir. J'aurais voulu vous demander par rapport à la mobilité des récepteurs. Vous avez essayé de le mettre en lien avec la mémorisation et avec les maladies neurodégénératives, mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, les récepteurs dans les maladies neurodégénératives sont plutôt immobiles, c'est cela ? Donc l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça, bien sûr, comme d'habitude en biologie. Ce qui se passe, c'est qu'une synapse normale, pour fonctionner, il lui faut les deux. Il lui faut à la fois des récepteurs immobiles à la synapse, qui vont permettre de faire l'efficacité de la transmission, et puis des récepteurs mobiles un petit peu autour, qui sont là en réserve, et qui vont permettre d'être accumulés s'il faut renforcer la synapse. Au contraire, si la synapse a besoin de perdre de l'activité, les récepteurs vont augmenter la mobilité pour s'en aller de la synapse. Et c'est l'équilibre entre ces récepteurs mobiles et ces récepteurs immobiles qui fait qu'une synapse fonctionne bien et fonctionne normalement. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que un neurone qui commence à être atteint, en particulier par le peptide amyloïde, dont on pense qu'il joue un rôle très important dans la maladie d'Alzheimer, ce neurone va avoir en fait ces récepteurs qui partent de la synapse, qui s'en vont, donc ils sont plus mobiles transitoirement, ils s'en vont de la synapse, et comme il n'y a plus assez de récepteurs dans la synapse, cette synapse va s'éliminer, en fait, un peu comme les cellules qui ont leur ADN abîmé et qui s'auto-suicident. Pareil, une synapse, quand elle a perdu trop de récepteurs, le neurone considère qu'elle n'est plus très utile et donc il va l'éliminer. Et puis, quand il a éliminé la moitié de ses synapses, le neurone, il dit, après tout, je ne sers plus à rien, et il meurt. Et il s'auto-détruit comme ça. Donc, effectivement, on a une mobilité anormale des récepteurs qui conduit petit à petit à une mort cellulaire. Sur le même sujet, anormalement plutôt, Alzheimer est une maladie catastrophique. Parce qu'une fois qu'elle a détérioré énormément la mémoire d'un patient, il y a encore d'autres dégâts pour les malades. Il y a la progression lente, mais sûre et certaine, de sa propre identité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qui a été fait déjà pour savoir si, además de la perte de mémoire, il y a d'autres bénéfices des traitements d'Alzheimer? Donc la maladie d'Alzheimer, comme vous le savez, c'est une maladie absolument terrible, qui a évolution très très lente et qui va atteindre en premier une zone du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui est particulièrement important dans les phénomènes de mémorisation à relativement court terme. Et c'est pour ça qu'un des premiers symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on a du mal à se rappeler de ce qui vient juste de se passer. On dit souvent que les patients atteints de maladie d'Alzheimer se rappellent très bien de leur jeunesse, se rappellent très bien de souvenirs anciens, qui sont eux plus stockés dans le cortex, dans cette autre région du cerveau, mais par contre, ils ne se rappellent plus ce qu'ils ont fait une heure avant ou la veille. Donc ça, c'est le début, on va dire, des atteintes. Et puis, petit à petit, après ces défauts de plasticité synaptique, ces défauts d'apprentissage, petit à petit, les cellules meurent, les neurones meurent, et le cerveau a quand même cette capacité absolument extraordinaire de compensation. Et donc, au fil des années, même s'il y a des neurones qui meurent, d'autres régions du cerveau sont capables de prendre le relais. Et c'est pour ça qu'on dit que l'activité intellectuelle est tellement importante pour se protéger de la maladie d'Alzheimer, parce que, c'est parfaitement établi,
que si on a une très grosse activité intellectuelle pendant toute sa vie, on muscle ses neurones, hein, ils sont véritablement un peu comme un muscle, ils sont très actifs, ils ont beaucoup de synapses, etc. Et donc on retarde l'apparition de ces symptômes cognitifs de la maladie d'Alzheimer. Mais au bout d'un moment, le cerveau, il ne peut plus, il a perdu trop de neurones, de toute façon, les systèmes de compensation ne fonctionnent plus. C'est vraiment un peu le parallèle avec ce que disait Catherine tout à l'heure, des cellules qui ont l'ADN trop abîmé. Au bout d'un moment, c'est trop abîmé, le cerveau, c'est pareil. Au bout d'un moment, dans la maladie d'Alzheimer, il a perdu trop de neurones, et donc on commence à affecter des fonctions entières, comme l'identité, la représentation de soi, etc. Mais quand on atteint ce stade-là, effectivement, de la maladie, on a perdu déjà énormément de neurones, et c'est malheureusement probablement trop tard pour intervenir. Et c'est pour ça que les stratégies thérapeutiques qui sont en cours de recherche maintenant, sont vraiment des stratégies pour essayer d'intervenir très précocement pour ralentir l'apparition de la maladie à des stades très très précoces, même avant qu'on puisse même la détecter. Je reviens sur la diapositive que vous nous avez montrée dès le début, où on voit l'arbre de vie et l'évolution entre un organisme très simple et puis qui aboutit à l'extrême complexité que vous nous avez présentée, Homo sapiens, tout ça. Et je me dis, est-ce que cette évolution au sens darwinien, est-ce que les concepts darwiniens permettent... est-ce que c'est clair pour vous, compte tenu des évolutions de la science dans le domaine du vivant, est-ce que les concepts darwiniens, à eux seuls, peuvent expliquer qu'on ait pu atteindre ce niveau de complexité, même au bout de plusieurs milliards d'années ? Alors, bon, je crois que la question est peut-être bateau, mais... Non, au contraire, je ne suis pas du tout un spécialiste de phylogénie moléculaire. Mais Darwin avait quand même raison dans le sens où c'est l'acquisition de mutations qui permet l'adaptation des espèces à des conditions nouvelles. Donc là, c'est la pression sélection qui fait que une mutation favorable va permettre à l'individu de survivre et de passer une étape délicate. Par contre, là où Darwin c'est un peu... à oublier quelque chose, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui contrôlent l'expression des gènes dans le génome, hein, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, et donc c'est un peu plus complexe qu'un aspect purement darwinien, hein, l'évolution. Ce que... Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais... Non, c'est... Le transfert de gènes qui est quelque chose de très courant, hein, ça je pense qu'on a un peu du mal à accepter cette notion. Il y a de très nombreuses, notamment chez les plantes, il y a de très nombreuses espèces qui sont issues de croisements interspécifiques. Hein. Vous prenez le colza, par exemple, il est issu de... Il y a ces deux choux, deux espèces de choux qui se sont croisés et il y a un doublement d'ADN. Donc la nature a favorisé, a permis ce type d'évolution par des perturbations génétiques extrêmement importantes par l'acquisition de deux génomes au sein d'un même individu et qui était fertile et qui a pu se reproduire. Ouais, j'ajouterais simplement que Darwin a un pavé de génétique, hein, en fait. C'est le principe de la sélection naturelle. Je pense pas qu'il ait connu les travaux de Mendel et voilà. Et je pense que le principe de la sélection naturelle, effectivement, hein, on a la preuve que ça marche très bien. Peut-être que par rapport à la vision que peut-être Darwin n'avait pas, mais qui a été colportée après de la sélection naturelle, c'est une espèce très forte et très parfaite qui réussit alors que les moins adaptés disparaissent. Je pense qu'on est plus dans des équilibres et que c'est jamais ceux qui gagnent sont jamais parfaits, en fait, hein. Et donc c'est plutôt que de voir la sélection naturelle comme une bataille sanglante où
les plus forts éliminent les plus faibles. Je pense que c'est des histoires de compromission et où ce qu'on appelle plus fort, c'est mieux adapté, voilà, avec un nouvel équilibre et pas forcément tout bien. Hein, c'est-à-dire qu'on a toujours, on est toujours issu de compromissions. Et ce qui change actuellement, comme le disait Thierry, c'est les, et ça c'est pas Darwin, mais c'est l'idée que c'était les mutations. Et alors moi je pense que tout est génétique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle épigénétique, c'est de la génétique dans la mesure où c'est toujours des changements du génome. Finalement, hein. Le génome est changé, mais il n'est pas forcément changé par des mutations, c'est-à-dire dans la séquence d'un gène. Il peut être changé par la multiplication d'un même gène, sans qu'il y ait de changement de séquence, et par ce qu'on disait, c'est-à-dire des transferts horizontaux, c'est-à-dire quand un gros paquet de gènes arrive en même temps, donc ça fait faire des sauts évolutifs dans des temps beaucoup plus courts que la sélection d'une mutation. Par sélection naturelle. Là, on a des apports massifs et il y a pas mal d'illustrations dans le livre des symbioses, et Thierry en a parlé, comment on crée une cellule, comment s'est créée une cellule eucaryote, parce qu'on a eu des milliards d'années où il n'y avait que des bactéries et que des archées. Visiblement, il n'y avait pas de cellules eucaryotes, et c'est toute une période où une bactérie a dû vivre en symbiose à l'intérieur d'une archée, jusqu'à ce que finalement la symbiose n'existe plus parce qu'on a une nouvelle entité, la cellule eucaryote, avec la bactérie qui est devenue ce qu'on appelle la mitochondrie, et l'archée, donc qui est la cellule eucaryote, et puis resymbiose dans l'émergence de la lignée verte, quand cette fois-ci on a une cellule eucaryote, son noyau, qui vit avec une bactérie et qui vit tellement bien que la bactérie devient un chloroplaste et qu'on a une nouvelle forme. Et ça, ce n'est pas des mutations, hein, c'est à nouveau des histoires de symbiose qui ont été très importante dans l'origine de la nouveauté. Et ça, c'est presque de l'épigénétique, au sens où c'est des nouveaux caractères qui apparaissent sans qu'il y ait eu véritablement de modification, de mutation, de modification de séquence de gènes. C'est une question qui est vraiment intéressante, parce qu'avec le réchauffement climatique, on s'est rendu compte que le comportement de certains animaux, notamment les oiseaux, était modifié. Les oiseaux, pour nourrir leurs oisillons, ont besoin d'insectes. Et avec le réchauffement climatique, les insectes apparaissent 15 jours plus tôt que l'époque de nidification et d'éclosion des oisillons. Et il a été observé que cette espèce, maintenant, nidifie et les œufs éclosent 15 jours plus tôt. Et la question qu'on se pose, que se posent les gens qui travaillent sur ces phénomènes-là, c'est: est-ce que c'est Darwin ? Est-ce que finalement la pression de sélection a fait que les oiseaux qui étaient capables de nidifier un peu plus tôt ont été sélectionnés quelque part, ont été privilégiés ? Ou est-ce que c'est le comportement de l'animal qui a perçu par les changements d'environnement, de température, de soleil, qui a changé son comportement au niveau de la nidification. Donc c'est une question qui est vraiment très pertinente, et on n'a pas la réponse. Mais est-ce que c'est du Darwin ou est-ce que c'est du comportement animal ? L'exemple est décrit dans le livre. Alors, bonsoir. J'ai hésité avec beaucoup de questions, parce que j'en ai beaucoup, je suis assez profane dans le milieu. J'avais surtout deux questions sur les neurotransmetteurs. Comment ils se déplacent ? Pourquoi est-ce qu'il y a une fréquence précise de leur déplacement ? Est-ce que c'est des déplacements réguliers ou est-ce que ça peut même être peut-être des... Et est-ce qu'ils se déplacent à des endroits précis et réguliers ou est-ce que ça paraît aléatoire du moins ? Donc le gros moteur des déplacements, c'est le hasard, c'est ce qu'on appelle la force brownienne. C'est un mot savant pour parler d'agitation moléculaire. Comme vous le savez, toutes les molécules bougent. On le voit très bien si on regarde, par exemple, des grains de pollen à la surface de l'eau.
il bouge tout seul. Si on voit des poussières dans un rayon de lumière, vous avez tous observé des poussières dans un rayon de lumière, quand il n'y a pas de vent, ces poussières s'agitent toutes seules. C'est l'agitation moléculaire, c'est l'agitation brownienne. Décrit par M. Brown, comme son nom l'indique. Donc, les neurotransmetteurs, les récepteurs de neurotransmetteurs dans les membranes, les molécules à l'intérieur des cellules, tout ça s'agite en permanence de manière tout à fait aléatoire. Ce qui n'est absolument pas aléatoire, c'est comment est-ce qu'elles vont s'arrêter à des endroits donnés. Et donc, il y a des pièges. Et donc, en particulier au niveau des synapses, il y a des pièges moléculaires, qu'on appelle des protéines d'échafaudage, qui vont permettre de stabiliser des molécules qui arrivent là au hasard. Donc, un récepteur va se déplacer de manière aléatoire, et puis quand il tombe sur son piège, il va s'arrêter. Et donc, ce que la cellule fait, ce que la cellule fait de manière active, c'est de réguler l'affinité de l'interaction entre un récepteur et son piège. Donc, elle va, par des phénomènes métaboliques, soit baisser cette interaction, soit augmenter cette interaction, et ça va lui permettre donc d'utiliser de manière très astucieuse quelque chose qui lui coûte rien. L'agitation moléculaire, ça ne coûte aucune énergie à la cellule, c'est l'énergie thermique de l'univers qui va agiter ces molécules. Et la cellule, finalement, n'a qu'à faire un tout petit mouvement pour réguler, alors un mot savant, une phosphorylation, une déphosphorylation, une modification comme ça, pour aller augmenter la stabilisation ou au contraire déstabiliser l'interaction. Mais le gros moteur de tout ça, c'est cette agitation thermique qui est gratuite pour la cellule. Vous parliez de muscler le cerveau, de muscler des... comment dire, est-ce que c'est possible à ce moment-là, enfin, qu'est-ce qu'on crée ? Est-ce qu'on crée des synapses ? Est-ce qu'on crée des neurones ? Ou est-ce qu'on crée des neurotransmetteurs ou... Donc, un peu tout, mon capitaine. Donc, on crée même des nouveaux neurones, très peu. Hein, comme vous le savez tous, il y a ce qui est presque un dogme, c'est que les neurones, on en a un certain nombre à la naissance, et puis après, on ne fait qu'en perdre. Alors, ce n'est pas exactement vrai. Il y a quelques régions du cerveau dans lesquelles les neurones sont capables de se régénérer. L'exemple le plus connu, c'est dans le système olfactif. Les systèmes sensoriels. Un très bon exemple, c'est quand vous mangez du piment, vous vous habituez au piment, en fait, vous perdez vos neurones. Les neurones qui sont sensibles au piment meurent. Et si vous arrêtez de manger du piment pendant 6 mois, vous récupérez à nouveau une sensibilité au piment parce que les neurones, ces neurones-là ont été capables de réapparaître. C'est très rare. Enfin, il y a cette région-là qui fait ça. La plupart du reste du cerveau, les neurones ne font que mourir petit à petit, ils ne se renouvellent pas. Par contre, quand on muscle effectivement son cerveau avec de l'activité intellectuelle, d'abord, on consomme beaucoup d'énergie. Hein, comme vous savez tous, quand on se concentre, on est fatigué. Ce n'est pas pour rien. Le cerveau consomme à peu près 20% de l'énergie du corps. Hein, donc, c'est quand même beaucoup. Et effectivement, on va le muscler principalement en lui rajoutant des synapses. Donc, ça, c'est très bien établi dans différents modèles. Qu'effectivement, plus on a une activité intellectuelle importante, plus le cerveau va être branché, plus les neurones vont être branchés, vont faire des tas de nouvelles connexions. Donc, qui dit nouvelles connexions, dit plus de neurotransmetteurs, plus de récepteurs, etc. Donc, il y a toute une activité, effectivement, métabolique dans ce sens-là. Mais la clé, véritablement, c'est plus de connexions. On va prendre encore 3 questions, mais pas plus. Donc... Bonsoir et merci beaucoup. Je voulais revenir à la question d'accorder certaines capacités aux vivants grâce aux avancées scientifiques et conjointement technologiques, comme cette question de l'adaptation aux conditions, au milieu extrême, d'accorder donc la possibilité de la vie dans des milieux extrêmes. Et de la même façon, on avance beaucoup sur la question de l'intelligence animale. Vous parlez tout à l'heure d'intelligence collective. J'avais une question par rapport à quelles sont les technologies employées pour cette recherche qui, finalement, est presque à la frontière de questions philosophiques. Donc le problème, effectivement, pour mesurer l'intelligence animale, c'est d'abord qu'est-ce que c'est l'intelligence. Vaste sujet, je pense que... Une dizaine de débats comme celui de ce soir ne suffirait pas à y répondre. L'autre grande difficulté, c'est de communiquer.
Donc communiquer, savoir, si vous demandez à une souris qu'est-ce qu'elle pense, ça va être compliqué quand même d'avoir une réponse rapide. Ceci dit, il y a quand même des progrès considérables qui sont faits dans ce qu'on appelle les sciences du comportement, qui sont devenues véritablement une science exacte maintenant, en essayant de ne pas faire trop d'anthropomorphisme, mais en essayant d'avoir véritablement des mesures de comment est-ce que, ce que l'animal va effectivement imaginer. Et donc, sans rentrer dans le détail, il y a maintenant des tests comportementaux quand même très sophistiqués, qui permettent d'évaluer la capacité d'un modèle animal, depuis le ver de terre jusqu'à des primates non humains, jusqu'à l'homme, pour pouvoir évaluer des capacités de réponse à l'environnement. Parce que finalement, l'intelligence, qu'est-ce que c'est ? On peut dire c'est la capacité que va avoir un organisme, un individu, à répondre de la manière la plus adaptée possible à des stimulations de son environnement. C'est pour ça que finalement, même une cellule est intelligente, hein, puisqu'elle a son intelligence, puisqu'elle peut répondre à l'environnement de manière à favoriser sa survie. Je voulais juste ajouter, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans le livre, de la surprise qu'ont eu les chercheurs à découvrir que des êtres, des animaux qu'on considérait simples, voire très simples, ont des fonctions cognitives qui peuvent être extrêmement élaborées. Vous avez des exemples où on s'aperçoit qu'une abeille, je crois, peut reconnaître, on peut l'entraîner à reconnaître un visage humain. Donc il y a des fonctions cognitives absolument surprenante. Sur la mémoire, par exemple, il y a la mouche, la petite mouche qu'on appelle drosophile dans les laboratoires, est un très bon modèle d'étude de ce qui est la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, avec des découvertes qui sont extrêmement intéressantes. Si vous faites, comme Daniel le disait, un cerveau humain, ça consomme à peu près 20% de l'énergie rien que pour cet organe. Et donc, si vous mettez des mouches en état de jeûne, elles vont... donc, on pensait que le cerveau était quelque chose de complètement protégé des impacts métaboliques, parce que c'est l'endroit très noble et il lui faut ses 20%. Et donc, si vous êtes en période de détresse alimentaire, de jeûne, c'est d'autres fonctions qui vont être diminuées, mais pas celles du cerveau. Chez la drosophile, on a montré qu'en fait, la drosophile en état de jeûne fait des économies en se supprimant la mémoire à long terme. Donc il y a des tests comportementaux très élaborés où on peut tester la mémoire olfactive en fait, hein, à court terme ou à long terme de la drosophile, et donc ça permet de voir effectivement l'impact du métabolisme sur la mémoire, ce qui évoque à nouveau les choses reliées à Alzheimer. Donc on a de plus en plus un arsenal d'un point de vue comportemental pour tester les fonctions cognitives, et certainement des animaux très simples nous enseigneront beaucoup de choses sur un cerveau aussi complexe que le cerveau des primates. Et comme je le disais au début, les avancées en sciences de la vie dépendent beaucoup des échanges entre disciplines. Et en ce qui concerne l'homme, je pense qu'on est en train de vivre un tournant avec l'émergence de travaux collaboratifs entre des psychologues expérimentaux et des neurobiologistes. Et la rencontre de ces deux type de personnes issues de disciplines différentes et sûrement quelque chose de très fondamental pour les avancées dans ce domaine-là. Bonsoir tout le monde et merci pour vos brillantes prestations. J'ai une observation concernant l'introduction de Madame Jesus qui nous a fait dès le début sur le schéma stratégique de l'évolution de la vie. Le fameux arbre du vivant. Alors, j'avoue qu'il y a quelque chose qui me gêne un petit peu là-dedans, dans ce schéma. C'est que vous faites tout dériver d'une cellule unité unique, exclusivement. Alors, s'il est facilement concevable qu'à l'origine, il n'y avait que des êtres unicellulaires, mais pourquoi vous voulez
nier la diversité, la multiplicité, la variété. Et je dirais même, alors là-dedans, si vous me le permettez, je vois là-dedans une position idéologique ou religieuse, dans ce sens qu'on ramène tout à un être suprême, un être unique, au début. Et là, à ce propos, vous n'êtes pas, vous avez, vous, biologiste, vous n'êtes pas suffisamment immunisé contre les élucubrations des astrophysiciens cosmologistes qui ramènent tout, qui parlent, bon, vous avez cité le Big Bang, qui découle de ce qu'on appelle l'atome primitif, lequel, que, bon, malgré, bon, avec tous mes respects pour les astrophysiciens, ces gens-là n'ont pas été fouillés très loin. Ils n'ont fait que copier la religion hindouiste, notamment les Upanishads, qui fait tout dériver de neuf primordial. Je vais répondre de manière très courte. Aucun chercheur n'exclut qu'il y ait eu plusieurs émergences de la vie avec plusieurs types cellulaires dans des temps dépassant les 4 milliards d'années. Par contre, pourquoi on fait dériver tous les êtres vivants dont on voit toute la diversité d'un seul et même cellule unique, hein, qui n'a rien de religieux, hein, c'est de la chimie, c'est parce que on a le même code génétique. Tous les êtres vivants, jusqu'à preuve du contraire, hein, ont le même code génétique, c'est-à-dire que notre génome est codé de telle sorte qu'on arrive à fabriquer des protéines avec un certain code représenté par les acides nucléiques qui constituent notre ADN. Et c'est le même. C'est le même. Et c'est cet argument-là qui fait que les chercheurs pensent que nous dérivons, que tous les êtres vivants peuplant la planète dérivent d'une même cellule. Sans exclure la possibilité qu'avant cette cellule, notre dernier ancêtre, il y ait eu plusieurs essais de vie qui aient disparu. Même les virus géants dont je vous parlais, qui sont des formes de vie très improbables, on ne sait pas trop ce que c'est, et leur code génétique est le même. C'est la raison scientifique pour laquelle. On va laisser la parole à la dernière question. On est désolé, mais on ne peut pas. J'aurais voulu savoir l'impact des drogues, du hashish, sur la mémoire à long terme, s'il vous plaît. J'avais d'autres questions sur des cellules. La réponse va être assez rapide. Ça dépend entièrement des doses. On a lu un peu tout et son contraire au fil des années. D'abord, les drogues ont été diabolisées. Après, il y a toute une période actuelle dans laquelle on dit mais en fait, il y a des tas de drogues qui ne sont pas dangereuses, en particulier le cannabis, avec des tas de pays qui font de la légalisation. Donc ça, c'est des questions de société. Pour toutes les molécules, que ça soit de l'alcool, de l'héroïne, de la cocaïne, n'importe quoi, tout est une question de dose. Donc le cannabis, le tétrahydrocannabidol, la molécule active, comme la plupart de toutes les autres molécules du monde, à une certaine dose devient assez toxique. Effectivement, le cannabis est parfaitement établi à partir d'une certaine dose, a des effets extrêmement négatifs sur la mémoire à long terme, sur la personnalité, induit des tas de problèmes tout à fait sérieux. Tout ça est une question de dose, comme l'alcool. L'alcool à haute dose, comme on le sait tous, est extrêmement toxique, voire mortel. Le cannabis, c'est la même chose. Je vais vous remercier. Est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion ou... Non, en tout cas, je vous remercie parce que la richesse des questions, ça nous fait plaisir. Hein. Nous, on a écrit ce livre pour susciter la curiosité et l'intérêt. Donc, ça fait plaisir de passer une soirée comme ça avec vous. Voilà. Voilà, donc je vais...
Donc je remercie nos intervenants, je vous remercie d'avoir passé cette soirée avec nous. Je vous rappelle que vous trouverez des ouvrages sur les sciences du vivant, celui-là et d'autres, dans la bibliothèque, que vous pouvez vous servir de tous les petits documents qui sont à la sortie, qui sont des marque-pages avec de très belles photos et des documents sur l'ouvrage. Et également que je vous invite à nous remettre le petit questionnaire qu'on vous a remis à l'entrée, donc à le déposer sur la table ou sur la banque d'accueil en sortant. Et je vous donne rendez-vous donc le 6 novembre pour la prochaine conférence sur « Qu'est-ce que le vivant ?». Merci à vous, très bonne soirée.